Bon, ben, j'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas eu l'impression d'en trouver d'autres. Je jure, monsieur l'arbitre, j'ai essayé. Mais ouais, non, j'ai pas vraiment réussi à trouver d'autres à freiner. Donc, à la place, on va continuer sur complètement autre chose. Donc, bonjour tout le monde, ici GA2. Et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Tales of Hesperia. Dans le présent épisode, nous avons... Ah, ben nous avons visité les aires crénées, on a fait encore d'autres quêtes secondaires ici ou là, on a récupéré quelques nouveaux arts, et quelques trucs aussi pour Ripi. Et dans cet épisode, on va rejoindre cette saleté dans l'espoir que ça finisse par se débloquer un jour. Mais ouais, non, donc, dans cet épisode, en fait, je reviens ici pour aucune raison particulière, on n'en a pas réellement besoin. Mais on va s'occuper de lui. Donc, il est possible de passer différents examens. Donc, ouais. Et donc, à l'origine, j'avais déjà parlé il y a longtemps à ce chaos, là-bas, juste derrière la table d'examen. Et il nous avait dit, allez récupérer des bouquins pour que Rita puisse passer le doctorat de machin truc. On n'avait pas moyen d'avoir tous les bouquins, surtout parce que l'un d'entre eux se trouve justement à Ornion. Donc on va s'en occuper cette fois-ci. Vous savez que c'est peut-être un peu bizarre d'avoir commencé là, oui c'est bizarre. Mais c'est moi, mais c'est surtout parce que normalement je conseille de faire cette quête d'une seule traite. Mais comme je l'avais débloqué plus tôt, bon bah voilà. En fait il y a pas mal de quêtes dans mon guide qui sont indiquées comme étant disponibles plus tôt, mais qui, ça vaut pas le coup plus que ça ou ça sert à rien. Donc notre premier arrêt c'est un truc qu'on n'a pas vu, si on l'a vu. C'est sûr même. Notre premier arrêt est Allure, quoique j'ai rien de plus proche. Si, on a plein de trucs plus proches. Notre premier arrêt va être donc juste ici, Elior. On doit aller à des endroits où il y avait des bouquins. Alors des bouquins, il y en a ici ou là bien sûr, mais c'est tellement spécifique qu'il faut vraiment avoir de la motivation pour le trouver. L'un des premiers lieux qui a été un peu ravagé par un incendie lorsque Rita y était, mais on sait toujours pas pourquoi, est ici. On y a été genre tout au début, enfin pas vraiment au début, mais vous voyez l'idée. Il y a des livres. Là, au fond de cette boîte. Ah, planification pour ville active. Nous avons trouvé ce que nous cherchions, mais il n'y a personne dans le coin. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon, mais nous aimerions emprunter ce livre. Pas de problème. Je n'entends aucune objection. Prenons-le et partons. Je ne sais pas qui aurait pu entendre tes chuchotements. Bon, j'ai peut-être parlé plus fort que ce n'était prévu. Bien entendu, donc chaque livre dont il nous avait donné la liste il y a longtemps, mais je pensais qu'il nous la redonnerait là, a un lien... Avec la plupart d'entre elles en général, je veux dire la planification pour ville active, c'est si elle a ville montante, ils essayent de créer une ville. Vous me direz, Ornion peut correspondre aussi, mais moins quand même. Baoul. Ensuite, nous voulons aller à Allure. C'était à l'origine mon premier arrêt, je me suis dit, ah, il y a peut-être plus proche. Je vais d'ailleurs aller passer, acheter potentiellement. Salut machin. Oui non, je doute que Mister soit apparu, donc je vais pas aller vérifier pour le titre de chercheur. J'ai pas atteint les 60 millions. J'en suis presque sûr. Ok, t'avais un nouveau. On va juste se rendre chez le maire. Sur le maire. Hey, y a un mage chez le maire. Le voilà, c'est le village tapissé de fleurs. Oh, c'est un vieux livre bien abîmé que vous tenez là. Ça vous dérangerait de nous le prêter? Bien sûr que non, c'est un vieux bouquin très technique, je n'y comprends rien du tout. Merci beaucoup. Ah, c'était rien, je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait pour notre ville. Et nous avons obtenu un autre bouquin. Des livres! Ensuite, on a Capuatorim. En fait, on a Capuatorim, Mantaic, Ornion. Voilà, ce sont les trois suivants.
Puis après, on a un mini questionnaire et on a fini la quête. C'est littéralement tout, c'est juste qu'il faut se balader de ville en ville, donc ça prend un petit peu de temps. C'est vrai que j'aurais dû passer à Torim avant, mais je connais pas par cœur les emplacements, je suis désolé. Alors, Kabiatorim, c'est, je suis sûr que c'est chez Kaufman, non? Ouais, Kaufman. La 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 la. Toi, est-ce que t'as quelque chose d'utile à me vendre? T'en as? Ouais, alors j'arrive. Farmer la cuisine après, mais au moins les recettes commencent à arriver les unes après les autres. Il doit manquer que deux ou trois et elles sont toutes basées sur des recettes qu'il faut découvrir pour obtenir d'autres recettes. Une fois que tu vas vous donner d'autres recettes qui est. C'est tout. Alors. Des bouquins! Des bouquins! Où ça? Attendez. Examiner, c'est cool, ils ont mis un gars pile devant. C'est celui que tu cherches? Oui, pas d'erreur, c'est bien réflexion sur l'odeur de la mer. Oh, mon autobiographie vous intéresse? Vous êtes aussi enfin sensible à l'attrait des profits en haute mer. Qui a écrit ça? Qu'est-ce que... Oups, je veux dire, on peut le prendre. Droit au but, comme d'habitude. Ah, j'admire votre spontanéité. Prenez-le si vous voulez, étudiez-le bien, il pourra vous apprendre des choses. Merci, ce sera très utile. Oh, tant d'intérêt pour l'histoire de ma vie et même des remerciements en le vent du changement souffle. Ok, c'est son autobiographie. T'es pas un peu jeune pour avoir une autobiographie? Quoique, j'imagine que pour être là où elle a dû faire des tas de choses. Bon, et après ça, donc, c'est Mantaïk. Donc, Mantaïk, c'est pas dur, parce qu'on avait une petite... on avait des livres, justement, qui étaient bien visibles. Des livres oubliés par les clients. Et Ornion, bon, ben, voilà. Donc, prochain arrêt, ben, je suppose que ça va être Ornion, parce que c'est le plus proche. Techniquement, j'aurais préféré faire Ornion en dernier, parce que c'est le plus cohérent, mais... Cohérence d'abord. Enfin, pas cohérence d'abord. Cohérence après. Efficacité d'abord. Donc, voici Ornion. On n'y va pas assez. Voilà. On va ignorer toutes ces andouilles et on va aller au quartier général des chevaliers, qui est cette petite maisonnette. Le chevalier qui est juste à droite, d'ailleurs, je crois que c'est aussi encore un truc qu'on peut potentiellement faire maintenant. Mais je m'en vais. Je vois que Flynn est toujours aussi maniaque du rangement. Attends, qu'est-ce que c'est que ce livre? Hein, il est écrit sur un fond d'espoir nouveau. Bingo, c'est celui que je cherchais. Oh, tant mieux. Je reviens dans ma chambre et qui vois-je? Un voleur. Hé, hey, du calme, tu pourrais au moins me traiter d'honorable hors la loi. Les honorables hors la loi sont vraiment assez orgueilleux pour se faire appeler ainsi. Bah, tu t'attaches trop aux détails. Alors, que fait un hors la loi aussi honorable chez moi? Pardon, mais est-ce que je pourrais vous emprunter ce livre? Yuri? Flynn, mon cher ami, accepterais-tu de nous confier ce livre, je te prie? Bizarrement, ça sonne faux. Yuri, tu es incorrigible. D'accord, vous pouvez prendre ce livre. Merci. Merci! Espèce d'idiot, la fausse politesse est encore pire que d'aller droit au but. Ça ressemble pas trop à Yuri de faire ça, je pense qu'il troll. Ce qui est normal. Donc ouais, ce type, il a encore une quête secondaire, je crois, pour nous. Qui va nous demander 500 000 gardes. Encore. Pourquoi vous croyez que je suis allé récupérer 4 millions? Parce que mes millions, ils s'en vont, hein. Il me reste plus que 2 200 000. Et je vais avoir besoin de claquer pas mal de fric pour les synthèses, les achats d'objets, etc. Parce que je veux tout. Je veux tout. Allez, Mantaïk. Ah, la ville à la prononciation indéterminée. C'est ma ville préférée! Et puis ils ont tiré tout son attrait! Ils ont prononcé son nom! Voilà, on est entre. C'est pas dur, c'est à l'auberge qui est juste là. Ah non, pas là! On peut probablement faire cause aussi en passant, mais je préfère les faire dans l'ordre que j'ai indiqué dans mon guide pour que ça reste à moitié cohérent. Donc, on va entrer ici. Non! Oh, ok, j'avais zappé ça. En plus, je l'avais vu une fois. Ah bon, bah on va la mettre celle-ci maintenant, même si c'est un peu idiot, mais ouais. Nobby, vous n'avez pas quitté votre lit. Je ne peux pas rester allongé toute la journée. Ouais, c'est vrai, vous êtes dans une forme éblouissante. Vous avez votre lume éternelle, où voulez-vous aller maintenant?
Je dois trouver le texte secret qui indique en détail le raffinage de la lume éternelle. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? À l'état de minerai brut, la lume éternelle n'a pas la moindre utilité. Ah bon? C'est vrai, c'est un métal, alors il faut d'abord le débarrasser de ses impuretés. Et la lume éternelle doit être raffinée sur un processus spécifique. Notre guild l'a écrit dans un manuel secret. Et a disparu lors d'un voyage, personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Et voudrait partir à sa recherche. Mais pourquoi? Pourquoi vous mettre ainsi en danger? C'est pour la guild, pour les forgerons des âmes. Qu'est-ce que vous racontez? Notre guild connaît une crise qui menace sa survie même. Sa survie, mais c'est une des 5 guildes maîtresses. Grâce à la stabilité fournie par les barrières, la valeur des armes a diminué. Personne n'a rejoint notre guild depuis de nombreuses années et nous vieillissons tous. Que vient faire le raffinage de la lume éternelle là-dedans? Et vous savez aussi que le forger des choses, il n'y a pas que des armes. En matière de fabrication d'armes, la lume éternelle est sans égale. Maintenant que vous en parlez, il me semble que les meilleures armes étaient en lume éternelle. Que cela nous plaise ou non, ce monde est impitoyable. Peut-être que nos armes pourraient rétablir l'ordre dans ce monde et la gloire passée de notre guild. J'ai certes trouvé le minerai, mais dans le manuel, il est inutile. En tout cas, vous ne devriez pas vous surmener. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui va rester au lit parce qu'on lui demande? Il est limite obsédé. J'imagine que j'aurais dû sentir ça venir. D'accord, on va aller vous chercher votre manuel secret. Vous? Pendant tout ce temps, vous restez au lit comme vous êtes supposé le faire. Nous acceptons cette tâche en étoile la plus brillante, courage de Vesperia. Waouh, Yuri, quand est-ce que tu comptais nous demander notre avis? Nous cherchons à faire triompher la justice, à châtier les injustes, non? Ouais. Rana n'a pas dit que son père avait extrait la lune éternelle et fabriqué quelque chose. Oh oui, la fille sur qui tu avais des vues et qui nous a engagés pour retrouver son collier. Il y a des vues sur tout le monde, c'est pas précis. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié mademoiselle Rihanna. Peut-être que je m'interroge à Pandion pour commencer nos recherches. Allons-y, pourquoi pas. Moi, je voulais pas ça à l'origine, je voulais ça. Il doit être quelque part par ici. Oh, le voilà, c'est la légende endormie des sables brûlants. Eh bien, celui va partir à l'auberge, non? Si. Vous voulez quelque chose? Eh bien, il y a ce livre sur cette étagère. Oh, ça. Cette étagère remplie de livres oubliés par des clients. À vrai dire, nous ne savons pas encore en faire et les clients viennent rarement rechercher leurs livres. Vous pouvez prendre les livres qui vous plaisent sur cette étagère. Vous voulez dire que ça ne nous en dérange pas que nous en prenions un? Non, allez-y, cette étagère se remplit assez vite et on jette les livres quand elle est pleine. D'accord, nous allons prendre. Merci. Bon, alors tu les as enfin tous? Oui, j'ai les 5. Maintenant, je peux aller passer l'examen. Chercher des livres dans le monde entier. Quel drôle d'examen. Oh, le véritable examen n'a pas encore commencé. Il y aura une épreuve écrite au cours de laquelle ces livres serviront de documents de référence. Ah, la simple idée de passer un examen me donne de la migraine. T'as pas envie d'essayer pour savoir ce que tu vaux? Non, je n'aurai aucune chance. Et puis je moque pas mal du diplôme de ce bonhomme. Ouais, te donner ce titre serait servir de la confiture au cochon. Eh, hey, qui tu traites de cochon? Raven? Non, peut-être pas. Alors, juste par curiosité, un livre oublié à l'auberge parle du folklore de Kogor. L'autobiographie de Marie Kaufmann. Ah bah tiens, je savais même pas qu'elle s'appelait Marie. De sa naissance à Trim. C'est où, Trim? Un livre appartenant à Flint. Sa lecture remonte toujours le moral. Ok. Un livre du maire de l'allure, comment fertiliser le sol au profit des fleurs. Et un traité d'urbanisme. Ok. Ah non, pas du tout voulu. Qui m'a mis ce point de sauvegarde en plein milieu de ma face? Et maintenant, il est temps de retourner à Namcoband Island. Ça va peut-être plus vite si je passais par là. Ouais, ça va plus vite. On descend. Et on n'arrive pas à rentrer. Donc on va aller voir pour l'examen. J'ai pas révisé. D'après votre expression, je pense que vous avez rapporté les 5 livres. Oui, jusqu'au dernier. Parfait. Alors sans vous attendre, allons-nous commencer l'épreuve écrite. Vous pourrez vous référencer au livre pour répondre à toutes les questions qui suivent. Ça ne devrait pas être très utile de cartonner un examen quand on peut chercher les réponses dans des livres. Alors tu devrais essayer aussi, Carole. Qui sait, tu pourrais nous étonner tous en réussissant. Vous, là-bas. Désolé. Vous voudrez tenter l'épreuve, le doctorat de Mitska est difficile. Essayez plutôt le certificat de NAM. Le certificat de NAM? Oui, c'est un examen pour les enfants d'une dizaine d'années. C'est une de nos meilleures attractions. Oh, tu n'as pas peur d'échouer, cet examen est difficile pour un gamin comme toi. Pas d'insulte, j'ai déjà 12 ans, 2 ans plus que l'âge limite, ça va y être tout seul. C'est votre choix, alors préparez-vous tous les deux en vue de l'épreuve. Eh, ne me distrais pas, d'accord, ce n'est pas un jeu, tu sais.
Ouais, je comprends. Il n'y a pas que ton orgueil en jeu ici. Très bien. Allons-y, que l'épreuve commence. Quelle date Tales of Eternia est-il sorti en Europe? Il est sorti en 2001. Ça, c'est l'épreuve que je connais. C'est le truc que je connais, ce que j'avais noté. Dans Tales of Symphonia, qui gagne le plus mal? Rain. J'ai faux pour de bien? Je dois admettre que j'ai écrit ça il y a longtemps, donc je peux pas aller vérifier. Quel est le nom de la sœur de Zelot dans Tales of Symphonia? On aime Tales of Symphonia. Lequel des personnages suivants ne figure pas dans Tales of the World Radiant Mythology? Ah, c'est prêt à combattir. Non, apparemment, ma première réponse est fausse alors? Ah, spoiler! Je ne vais pas indiquer cette question, mais la réponse est Kratosaurian. Apparemment, je me suis planté pour la première. Comment ça s'est passé, Rita? Tu penses avoir réussi? C'était assez dur même pour moi, mais je pense avoir réussi. Ça ressemble à Rita que je connais. Et toi, Buddy, ça s'est bien passé? Je crois que j'ai réussi, je le sens bien. Tu as l'air plutôt confiant. Eh, je crois. Mais pour l'attendre, je n'ai mon état d'examen. Ah, mademoiselle Rita Mordio, sur un maximum de 800 points, vous avez obtenu 800 points. Vous avez réussi avec un note maximal. Rita, tu es incroyable. Quand il faut y aller, tu assures, petite. Je sais, c'est soulagé. Une seule personne a réussi à cet examen jusque-là. C'est toi la deuxième personne au monde à obtenir ce diplôme, Rita. Yay. Les mecs. Je n'ai pas encore eu mes résultats. Ensuite, Carol Capel, sur un maximum de 100 points, vous avez obtenu 82 points. Vous êtes reçu de justesse. Pourquoi personne ne me félicite? Ben, ce sont des questions pour vos enfants de 10 ans. Un de justesse à 12 ans n'a rien d'une prouesse. 82 sur 100, je trouve que c'est correct quand même, mais bon. Peut-être que faudrait que je vérifie pour le 2001. Il est maintenant temps de remettre les titres aux honorables lauréats. Regardez, qu'est-ce que... Seuls les détenteurs du prestigieux doctorat de Miska sont autorisés à revêtir cette tenue. Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas heureuse, Rita? Ah, si, si, bien sûr, je suis ravi. Tu pleures, c'est l'émotion, elle est en larmes de douce, larmes de joie. Arrête de dire des choses, Syracuse, j'ai une sueur dans l'œil, c'est tout. Eh, bien sûr, Rita. Nous avons aussi un titre à remettre à Carole. Pour moi, c'est vrai. Professeur Petite Crevette. Petite Crevette, je crois qu'ils avaient obtenu le certificat de NAM. Le certificat de NAM comporte plusieurs mentions, vous avez obtenu la plus faible, à vous de progresser. Ça alors, professeur Petite Crevette, ça ne te va comme un gant, si je puis me permettre. Un beau titre, pour un gamin de 10 ans. Oh non, ah, je n'en veux pas, un titre pareil, pouvez-vous le garder? Alors, poliment refusé le titre de professeur Petite Crevette. Je le trouve parfaitement approprié. Quoi que j'en sois, mademoiselle Rita Mordio, félicitations. Oh ouais, merci. Continuez vos recherches, je vais faire honneur à la distinction qui nous a été accordée aujourd'hui, cœur. Bon, je n'ai encore qu'un état de bourgeon. Je vais aller vérifier. Parce que peut-être que je me suis planté vaguement pour le 2001, sa date, et je sais pas comme si je savais vraiment à quelle date était sorti ce jeu, parce que j'y ai pas joué, de ce que je sais. C'était Tales of Eternia? Ouais, non, j'y ai pas joué. Mais bon. My head hurts. Are you okay? Should I use my healing arts? Leave him, Estelle. He's just not used to hard questions like that. I think he sprained his brain. But Rita, I'm impressed. You know everything. Well, you never know what might be useful for research. Knowledge is no burden, they say. Estelle's living proof of that. Read enough books and you just learn lots of things without realizing it. Maybe you absorb facts better because you're already reading all the time. That tactic won't work for the old man at all. My head hurts. Here comes the second doofus. Ok, pourquoi pas. Donc quand même qu'on aille le voir. Doctorat Miska, vous êtes à la pointe de la recherche sur les Blastia, mais il reste des questions. En toute honnêteté, je n'aime pas du tout ce costume. Je le trouve bizarre et un peu laid. Je sais pas, je n'aime pas vraiment plus que ça. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de titres costumes qui sont sympathiques, mais peut-être que moi, donc j'irai m'enseigner pour cette histoire-là et j'essaierai de montrer si je me suis planté, etc. et si ça change la scène. Mais j'ai pas souvenir. Mais bon, enfin, disons que Carole tendait à être en mode tout content à chaque fois que je donnais les autres réponses. Et celle-là, je les connaissais en général. Non, je les connaissais. Donc, peut-être qu'effectivement, je me suis planté pour la première et que c'est tout. Alors, si nous venons ici, nous avons Kaufman avec un Chaos. Ah, Kaufman, je ne vous attendais pas à vous revoir. J'ai un peu discuté boutique, rien qui ne vous concerne.
toujours sur la brèche, hein, toujours essayer de faire des affaires. Essayez-vous de me charmer parce que ça a plutôt l'effet inverse. Je crains que ce ne soit la méthode habituelle du vieux. Alors, vous avez l'intention de créer d'autres parcs de ce type? C'est peut-être un marché prometteur. Voilà une jeune femme qui a la tête sur les épaules. Cet endroit n'est pas aussi commercial que les autres parcs, alors il ne rapporte rien. Cependant... Ah, vous comptez assurer le service de transport et faire des bénéfices sur les trajets? Exactement, nous avons discuté du partage des profits, mais... Quel problème? Ils vous trouvent trop gourmande? Bien au contraire, ils disent qu'ils ne veulent pas toucher un seul galde. Nous n'avons pas besoin de galde, rendre les gens heureux nous suffit. Nous n'en demandons pas davantage. Voyez, comment peut-on conclure un marché avec des gens qui ont un tel mode de pensée? Quel problème? Ils disent qu'ils ne veulent pas de galde, c'est une bonne affaire pour vous. Non, c'est contraire au principe de notre guilde. Les gens bien méritent d'être traités correctement. Vous me rappelez un peu Leblanc, Madame Kaufman. Ce crétin pénible, tu es sérieuse? Vous avez bien dit Leblanc? Oui, mais... Et vous ennuyez-vous aussi? Non, non, aucune raison de vous inquiéter, ce n'est rien, vraiment. Dites, ça ne vous gêne pas si je file? Il faut que j'aille préparer du lait yakisoba. À bientôt! Une seconde! Tu as remarqué ça quand tu as entendu prononcer le nom de Leblanc? Ouais, je me demande ce qu'il y a dessous. On ne le saura jamais. De ce que je sais, il n'y a vraiment littéralement rien de spécial. Enfin, il n'y a pas de suite à ça. À H de Natalia. Je me demande à quoi ça fait référence. Que celle-là, au moins, je la connais. Pff, Alice. Ah, bon, j'avais prévu de faire beaucoup plus que ça. Et j'ai... Ah, je me suis planté. Pas assez. C'est comme ça, je suppose. On a quand même commencé vaguement une autre quête, je suppose. Le problème, c'est que toutes les autres, ça fait un épisode de plus. Ah ! Tant pis, j'avais espéré tout concentrer en un seul, mais comme vous avez pu le constater, c'était un échec monumental. Ah, je suppose que je vais remettre Fury quand même par principe. Alors, je pense que ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais retourner à Namco Bandar. Quoique, il y a peut-être pas de point de sauvegarde ici, j'en connais pas. Je reste à l'extérieur, vous savez pas. Je reste à l'extérieur. Je vais probablement aller sauvegarder pour pas perdre tout ce que j'ai fait là et recharger la partie, vous savez, avec le coup de l'examen. Et je vais essayer de voir si la scène change, si je trouve la bonne réponse. Je connais pas la bonne réponse. Je vais pas mentir. Donc je vais probablement essayer les trois autres et espérer tomber sur la bonne rapidement. Connaissant ma chance, ça sera probablement la dernière. Mais bon. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors, comme j'étais... Bon, là, je vais laisser... Oh, d'accord. J'ai mis volontairement toutes les mauvaises réponses, puisque bah, sur les trois réponses que j'ai choisies, j'ai mis 2003 et ça n'a pas été la bonne. Ah, c'est pas de ma faute si t'es planté. Tu n'as pas arrêté de gémir, c'est parce que j'avais acheté tout haut. Donc... 800 points, vous aurez obtenu 715, c'est un peu, mais vous avez réussi. Pas si mal, j'aurais fait mieux sans ce moche pénible. C'est une prouesse, c'est moi et moi. Vous avez obtenu 66 points. C'est là, c'est un échec, il me faut mieux la prochaine fois. Vous n'avez pas assez de points. Sifflement, ce n'est pas notre jour à tous les deux. Pleure pas, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive tous de planter de temps en temps. Une chose malheureuse bon, sans se faire d'efforts. Donc elle, elle récupère son doctorat Miska. Et elle a l'air vachement contente. De savoir que j'avais raison d'avoir confiance en moi, de toute façon, je n'ai pas autant d'endurance, félicitations, état. Et lui, il a juste un petit... Donc, rien de spécial. Vous obtenez donc le titre, même si vous avez tout faux, etc. Je pense que Carole, même si c'est 100 sur 100, il a exactement la même scène, quasiment. Sauf que au lieu de dire « réussir de justesse, pas cool », voilà. Ok, c'était 2006. Je sais pas pourquoi j'avais 2001, ou alors c'est peut-être parce que j'avais trouvé la réponse sur truc anglais et eux ils l'ont eu 5 ans plus tôt. Je sais pas, en tout cas, j'ai là normalement Carole devrait avoir 100 sur 100, mais je m'attends à ce qu'il ait quand même un titre à la noix et qu'il le refuse.
Voilà, donc ça semble tourner à peu près exactement de la même manière que la précédente. De toute façon, elle va avoir 800 sur 800, elle. Donc je vois même pas l'intérêt de poser, de nous embêter. 800 sur 800, bravo. Félicitations, quand tu voyais, tu assures, soulagé, deuxième personne, les mecs. Pas encore eu mes résultats. Sur 100 points, vous avez obtenu 80. Ah non, d'accord, ok, ça change strictement rien. Donc je vais pas m'embêter à aller beaucoup plus loin que ça, je vais aller me renseigner un petit peu, mais au final, il faut avoir au moins 3 bonnes réponses. Même si, a priori, avoir répondu avec les 4, ça vous donnait un achievement Xbox 360, et... Je l'ai déjà eu, normalement, puisque... Je l'ai indiqué dans le guide, je veux dire, si je l'avais pas eu, je l'aurais pas indiqué, donc... Soit le jeu considère que 2006 c'est la bonne réponse, mais Xbox mais pour l'achievement c'est 2001. Soit c'est exactement la même scène, ouais ok. Soit c'est soit c'est juste qu'il faut 3 réponses sur 4. L'une comme l'autre, bon bah au moins j'aurai eu ma réponse et je vous retrouverai donc la prochaine fois pour encore des quêtes secondaires. Et potentiellement encore d'autres quêtes secondaires, puisque dans cette partie, donc qui compte pas dans cette sauvegarde-ci, j'ai discuté avec le type qui était devant le quartier général des chevaliers, et c'est bel et bien lui qui donne une autre quête que je croyais qui se débloquait que plus tard. Donc peut-être que je vais la faire là, peut-être que je la garderai pour plus tard, pour qu'on arrête un peu avec les quêtes secondaires quand même. Peut-être que si, peut-être que non, je vais y réfléchir de mon côté. Mais je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on finisse au moins cette dernière série de quêtes. Et en fait, par série de quêtes, j'entends... la quête mission de Vesperia avec Nobis et sa lune éternelle. Donc d'ici là, ciao !